Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la Design Team, l'équipe créative, la DT de Zibuline. Comme vous avez pu voir, j'ai sorti deux petits chocolats qui sont des célébrations. Des petits chocolats qui sont connus, hein, du coup, pour les fêtes de fin d'année. Donc, vous allez me dire, oui, on est le 24 décembre, puisque normalement cette vidéo devrait paraître le 24 décembre. Donc déjà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon réveillon de Noël. Et on va aujourd'hui réaliser des petits porte-chocolats à mettre dans les assiettes. Alors, j'aimerais vous dire que ce sera vite fait, bien fait. Ça va demander quand même un petit peu de temps, hein, c'est pas magique, on va pas hop, claquer les doigts et c'est bon, ça y est, c'est fini. Mais pour autant, ils seront quand même assez rapides à faire et ça permet de les mettre en fait dans vos assiettes de présentation. Alors que ce soit pour le réveillon de ce soir, le jour de Noël de demain ou alors bah, tout simplement pour votre réveillon du 1er de l'an. Bah oui, parce qu'il faut aussi y penser, c'est dans une semaine les amis. Donc je vous fais tout de suite le petit tuto express de ces petits chocolats. Enfin, de ces petits porte-chocolats, si on peut dire, au niveau de vos assiettes, enfin des chocolats d'invités. Voilà, le bon terme, c'est ça, chocolat d'invités. Alors pour ça, il va vous falloir un morceau de 18 cm de long de papier. Moi, j'ai pris dans une chute. Elle n'a pas forcément besoin d'être hyper solide. Ça n'a pas besoin d'être forcément du papier aquarelle ou ce genre de choses. Moi, c'est du papier de chez Action. Voilà, tout simplement. Vous me faites un morceau donc de 18 cm de long sur 4 cm de large. Voilà. Faites pas forcément plus. Ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, si vous prenez les mêmes chocolats que moi, ça ne sert pas à grand chose d'en faire des beaucoup plus larges. Ensuite, je vais venir faire les angles, enfin les arrondis de mes angles sur... les quatre coins. Voilà. Oups. À chaque fois, il y en a un qui bug. Voilà. Vous venez me prendre le centre de votre petit morceau de papier. Donc, on vient à 2 cm. Notre petit point, on vient avec une perforatrice ou une crocodile. Me faire le petit trou qui va bien au centre. Maintenant, on va passer à la décoration. Je fais un tout petit repère en fait pour savoir à peu près où se situe le centre de ma feuille. Parce que vous allez voir qu'on va utiliser notre foil doré de chez Zibuline. Donc, je vais déjà le préparer comme ça. J'aurais plus qu'à le prendre délicatement. Je viens prendre un bâton de colle. Donc c'est de la colle toute simple. On va essayer d'en faire deux, des petits porte-chocolat comme ça. Vous aurez deux idées différentes. Voilà, donc là ça me plaît bien, je vais finir comme ça. Donc sur l'arrière, ben, je ne viendrai plus rajouter quoi que ce soit, hein. Je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être juste faire un petit trait avec mon crayon noir si j'arrive à remettre la main dessus. J'ai fait des découpes dies avec un dies de chez Simply Graphic. Je vous le montre. C'est un de mes petits chouchous, notamment pour Noël. Je trouve qu'il est très sympa. Et j'ai bien entendu utilisé un seau de chez Zibuline, qui est le seau Happy New Year. Pardon. Bonne année, bonne nouvelle année. Et je vais m'en servir tout simplement comme ceci. Alors on va pouvoir utiliser du coup nos nouveaux scotch double face pour nos petits adhésifs pour justement nos seaux. Alors,
je vais couper une petite étiquette à rajouter. Donc ça, ce sont mes fameuses étiquettes hein, de chez Zibuline. Vous vous souvenez, on en a des... avec des petites étiquettes écoliers, on a la carterie, on a les fanions, enfin je ne vous les représente plus, hein, du coup vous les connaissez maintenant ceux-là. Et donc j'ai pris le spécialement pour toi. Je vais juste retailler un tout petit peu le mot. Et je viendrai le coller comme ça. On va donc utiliser notre fameux autocollant pour cacher de cire. Il faut qu'il reste dessus du coup. Alors attendez. On le colle dans le bon sens. Happy New Year. Voilà. Et je vais venir faire mon petit collage. Voilà. On vient rajouter quelques petits strass. On adore quand ça brille. Hein. Et puis pour les fêtes, il faut quand même que ça brille. Alors, je ne sais pas si je mets des strass blancs ou des noirs. Voilà. Donc, notre petit porte-chocolat, il est fini. Je vais venir y coller du coup mon chocolat. Enfin, je vais venir y rajouter un petit morceau, hop, un petit morceau de ruban noir qui va me permettre de fermer le tout. Voilà, un petit chocolat à mettre dans son assiette. On en fait un deuxième?
Et voilà, on a nos deux petits porte-chocolat que je trouve vraiment très sympa. Donc le premier avec les découpes et puis celui-ci du coup avec le foil que j'aime beaucoup là, le foil doré. Je trouve ça trop beau, le petit chocolat qui est à l'intérieur. Et puis bah, je suis venue rajouter donc un petit anneau double de chez Zibuline avec une toute petite breloque cloche que j'aime beaucoup aussi, que je trouve ça trop mignon. Ça c'est un petit tamponnage de chez Shoe & Flower sur une étiquette de comptoir du scrap. C'est des dies comme ça, la triple étiquette. Voilà. Donc c'est la plus grande. Et enfin, je suis venue rajouter une petite étiquette de bijoutier. Voilà. Montée sur mousse avec une petite étoile en mousse et puis des petits strass comme j'ai mis ici. Voilà. Et puis bah, j'avais rajouté donc mon petit fil d'or comme ceci que vous trouvez dans la couture. Et le tour est joué. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. Bon bah comme d'habitude, je vous fais des petites photos de plus près. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutos.